Une salle des fêtes bien aménagée, un très bon vidéoprojecteur avec un bel écran, de super courts-métrages, de jeunes talents. Comment ça s'organise et comment donner envie à ces jeunes talents de venir? Les jeunes ont tellement besoin d'être aidés. Quand on commence dans un métier, c'est difficile, on a toujours besoin d'aide. Et là, les jeunes réalisateurs, ils ont besoin de se faire, de montrer leurs courts-métrages et d'avoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, afin de pouvoir continuer à avancer, à faire des progrès. C'est vrai qu'il y a 4 ans de ça, j'ai vu le court-métrage d'une amie et je me suis dit, mais tiens, c'est sympa ça, ça serait l'occasion de pouvoir aider les jeunes. Donc j'ai décidé de monter cette journée, on va dire cette soirée où on peut visionner des courts-métrages. Ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que le jeune présente son court-métrage, il se présente lui-même, et puis sans trop dévoiler effectivement l'action. Et puis ensuite, on le visionne. Donc on regarde ça tous ensemble, et après l'avoir vu, on pose des questions à l'artiste. Ouais. Et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi de telle façon, et c'est bien, c'est pas bien, et les gens disent vraiment ce qu'ils pensent, et ça c'est très très chouette. Donc on en a qui viennent et qui reviennent, comme Laurent Périssé qui était venu l'année dernière, qui est revenu cette année, qui est ravi, et qui nous a présenté Eliane Gallet, d'ailleurs on a vu son court-métrage La valise en Vuitton, qui est assez exceptionnel, je dois dire, cette mamie qui est là, et qui en fait n'est pas du tout actrice, et qu'elle est allée chercher sur un marché, derrière son étal, en lui disant, je vous veux, quoi. Et elle joue, c'est merveilleusement bien, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial. Nos courts-métrages à Givry vont évoluer, parce qu'on va essayer d'organiser un festival de courts-métrages itinérants. On va faire de Paris à Nice. Donc pour le moment, c'est un projet, mais ça va devenir super intéressant en passant par Givry. Mon film s'appelle Quatre mains. Quatre mains, c'est un petit peu une métaphore musicale, je dirais. Et ça raconte l'histoire de deux couples. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que je ne vais pas raconter l'histoire du film qui n'est pas très long, il ne dure que 6 minutes. Et je suis très très content de le projeter. Je n'ai pas encore beaucoup projeté. Parce qu'en fait, j'ai mis un temps fou à faire ce film. Il s'est passé 6 ans entre le moment où j'ai eu l'idée de l'histoire, etc., et le moment où j'ai fini le montage. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une bonne surprise qui m'attend ce soir. Bon, écoute, Clément était hyper bizarre ce matin, il m'a demandé au moins 10 fois si j'avais un truc de prévu. Il y avait le début qui était sur l'animation, c'est-à-dire que j'ai rencontré cette année une jeune artiste qui s'appelle Lucille Briand, qui n'est autre que la fille de Rodolphe Briand, artiste lyrique qui chante un peu partout. Et Lucille a fait pour le spectacle de la flûte enchantée, a créé tous les fonds d'écran, puisque ça se passait avec rétroprojecteur, en images d'incrustation. Et donc elle avait fait tous les décors, et c'était vraiment très 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 intéressant comme travail. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu as un cours à me faire voir? Et donc elle m'a montré son dessin animé, donc l'affaire Judith. C'était très très bien tourné, les dessins sont magnifiques, et donc je lui ai dit, ça t'intéresserait qu'on te passe donc au festival de court-métrage? Elle m'a dit oui, en plus de ça, j'ai plein d'amis qui seraient super intéressés, parce que c'est très compliqué pour se faire voir, quoi. D'accord. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai fait une partie avec une dizaine de cours d'animation. Voilà, Et ensuite, on a présenté d'autres cours qui étaient des films. Mmh. Voilà, des petits films, puisque le plus long faisait 18 minutes et le plus court, ça devait être 1 minute 80, 2 minutes 30, un truc comme ça. Mmh.